Donc, comment l'entreprise a pris en compte le respect de l'environnement? Tout d'abord par des moyens classiques, donc d'interdiction ou d'encadrement des produits polluants ou des méthodes polluantes, donc avec des règles de droit de l'environnement sur lesquelles je ne vais évidemment pas revenir ici. Mais pour vous donner un exemple, l'Union européenne a édicté dernièrement une nouvelle norme d'émission des CO2 pour les véhicules neufs. Donc voilà un exemple de ces normes d'encadrement. Deuxième moyen classique, l'investissement dans la recherche et développement, avec pour objectif des produits et des modes de production également moins polluants. Encore un exemple pour l'automobile, à propos de l'automobile, tous les constructeurs automobiles aujourd'hui investissent massivement dans la voiture électrique. Alors, les difficultés, c'est qu'il y a des limites à ces actions dans les cultures et les modes de consommation. Et les besoins en carburant sont toujours là et les gens ont du mal à renoncer à leurs habitudes, donc d'où des difficultés évidemment pour remplacer les produits. Et puis des limites également dans la puissance de l'industrie elle-même et de son lobbying. On pense à l'industrie chimique, pétrochimique, pétrolière, des biotechnologies. Et l'industrie, on l'a déjà entendu, objecte de moins en moins souvent au principe de précaution, le principe d'innovation qui, lui, exige la liberté. Alors aujourd'hui, il semble que l'on soit entré dans une ère nouvelle où la précaution à l'égard de l'environnement est beaucoup plus exigée, beaucoup plus attendue des entreprises. Et je crois qu'il y a un symbole assez marquant qui est dans le Code civil, dans l'article 1833 du Code civil, qui a été réformé à la faveur de la loi Pacte du 22 mai 2019, et qui dispose que la société est gérée dans son intérêt social, donc c'est la définition de la société, elle est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et donc on voit là dans le Code civil une injonction qui est faite aux opérateurs économiques, aux sociétés qui devraient être éco-responsables. Alors pour comprendre comment l'entreprise est incitée à développer des politiques de précaution pour protéger la Terre, pour protéger les générations futures, il me semble qu'il faut distinguer entre deux approches, l'approche produit et l'approche holiste, une approche globale. Alors l'approche produit, c'est une approche qui est centrée sur le produit tel qu'il est fabriqué. Et c'est une approche qui a été développée en premier. Mais l'approche holiste, elle, qui complète d'ailleurs la première, elle a pour mission de couvrir toute l'activité économique, de la production des biens à leur distribution, en passant par le transport et même le recyclage des déchets. Et c'est une approche qui est probablement un nouveau défi pour les entreprises. Alors d'abord, l'approche produit. Il y a deux points. Il y a d'abord la production et puis la consommation. Alors, du point de vue de la production, la précaution va s'attacher à ne pas produire des produits toxiques ou des produits qui sont dangereux pour l'environnement, ce qui, dans le principe, est assez clair et évident. Mais cela suppose en fait une capacité d'expertise qui est extrêmement réactive et également gigantesque, soit pour justifier de la sécurité du produit, soit pour démontrer la nocivité, soit encore pour rechercher des produits qui puissent se substituer aux produits que l'on juge nocifs. Et donc on voit là que la précaution est arrimée à l'expertise et dépend en réalité de façon extrêmement variable, de façon extrêmement circonstanciée et en fonction des domaines, dépend un rapport de force qui dépend. Donc ça dépend d'un rapport de force entre les experts, les pouvoirs publics, les citoyens et l'industrie. Pour prendre un exemple tiré vraiment de l'actualité, puisqu'en juillet 2019, un rapport à l'Assemblée nationale, un rapport d'information a été rendu sur la stratégie pour les plastiques au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, on sait qu'il faut renforcer les moyens de contrôle, les moyens de contrôle et d'autorisation en concernant les plastiques, la nocivité des plastiques, la nocivité des microplastiques et la nocivité des additifs dans les plastiques. C'est l'Agence européenne des produits chimiques qui normalement se charge du recensement, de l'évaluation, du contrôle des substances chimiques. Et on est forcé de constater qu'on est obligé de renforcer les moyens de cette agence pour avancer dans ce sens.
Donc voilà, la part de l'expertise est extrêmement importante. Et puis, en plus de cela, il faut pouvoir remplacer le produit que l'on souhaite interdire. Et on voit avec l'exemple du glyphosate encore un exemple des difficultés qu'on rencontre, même quand on essaie d'être vertueux. Donc je crois que le 12 novembre, l'Assemblée nationale, donc c'était vraiment avant-hier, a rendu son rapport sur le glyphosate et qui montre des choses qu'on savait déjà, mais en fait qui vraiment le démontre de façon extrêmement précise, que finalement, il n'y a pas de substitution simple et unique, il n'y a pas de produit de substitution simple et unique pour le glyphosate, et qu'en fait, finalement, quand il y a un produit de substitution, il n'est pas sans conséquence, soit agronomique, soit environnementale, donc ça ne nous arrange pas. Alors, il est vrai que beaucoup d'argent a été investi par l'État dans la recherche, mais la recherche prend du temps. Alors, ça, c'était du côté de l'approche produit, du côté de la consommation. Il y a une autre approche de précaution qui touche le consommateur. Et le consommateur, là, pourrait devenir, est devenu, en fait, un consommateur, un acteur citoyen de la croissance verte, puisque c'est au consommateur qu'il revient la liberté de choisir ses produits de consommation. Il peut choisir des produits verts, issus d'un mode de fabrication protecteur de l'environnement, à condition, bien évidemment, qu'il soit informé sur la qualité des produits, sur les modes de fabrication, et puis qu'il le soit par des labels qui soient fiables. Et donc là, c'est toute la question de la certification environnementale, des labels bio, qui, de façon tout à fait certaine, participent d'une approche de précaution, de façon très constructive, de façon assez soft, finalement, et de façon dynamique, donc c'est de façon tout à fait vertueuse. Alors, ensuite, il y a une approche plus holiste, plus globale que l'on peut avoir, et qui concerne trois points. D'abord, toute la chaîne économique, c'est-à-dire que la chaîne économique, ça comporte les modes de production, mais aussi la distribution, le transport et même le traitement des déchets. Le deuxième point, c'est le devoir de vigilance qui va rejoindre, mais sur un autre aspect, ce que Sarah Cassella vient d'expliquer, et donc qui va le compléter. Et le troisième point, c'est la finance verte. Alors, d'abord, la chaîne économique avec tous ces maillons. Il est sûr que les risques pour l'environnement ne concernent pas seulement le produit fini, mais évidemment concernent en amont les modes de production. Et c'est tout le débat qui a été évoqué sur les énergies renouvelables, sur les ressources renouvelables, sur les traitements des déchets, dans des modes de production, et sur la pollution des sols, la pollution de l'air. Alors, l'Union européenne, évidemment, travaille sur ces questions. Le paquet énergie traite justement des énergies renouvelables, de la diminution du gaz à effet de serre et de l'efficacité énergétique. Il y a encore énormément à faire, surtout en ce qui concerne l'élaboration de nouveaux outils pour mesurer les pollution des sols et pollution de l'air. Donc on sait qu'il faut avancer, il faut créer des normes, il faut avoir des indicateurs pour avancer dans ce sens-là. Après la phase de production, il y a le transport. On peut avoir un produit issu d'un mode de production tout à fait respectueux de l'environnement, mais l'impact carbone lié au transport peut être très lourd. Et là, on retrouve tous les débats sur le fret, les circuits courts et les réflexions de l'Union européenne sur la vitesse des cargos, sur le changement des carburants dans les transports maritimes. On s'occupe des transports maritimes, il y a aussi la question des transports aériens. L'application de la taxe carbone aux frontières. Donc, évidemment, tous ces débats sont tout à fait au centre du développement durable. Et puis, enfin, il y a un autre sujet qui est aussi de grande actualité, c'est la question des déchets. Il y a un projet de loi en ce moment qui est débattu, qui fait vraiment parfois des débats assez houleux sur l'économie circulaire. Et alors, il y a beaucoup de choses dans cette loi, mais je parlerai principalement du plastique, des déchets, des plastiques. Et avec cette idée quand même que finalement ce sont les producteurs des matières plastiques qui devraient prendre en charge le financement et l'organisation du déchet des matières plastiques, avec cette idée de responsabilité élargie finalement des producteurs, mais avec des difficultés à la fois d'organisation et puis d'effets paradoxaux en fait, qui ont été déjà évoqués. On veut mieux faire.
faire et on fait moins bien parce que la solution de substitution cause d'autres difficultés, cause d'autres problèmes. Ensuite, il y a le devoir de vigilance, qui est un deuxième aspect de cette considération un peu plus globale hein, de l'approche de précaution du point de vue des entreprises. Alors, le devoir de vigilance dont je veux vous parler, c'est celui des multinationales, des grandes sociétés, puisque en 2017, une loi du 27 mars française a imposé un nouveau devoir de vigilance aux grandes sociétés qui emploient 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde entier, et leur impose donc un plan de vigilance, c'est-à-dire un plan de prévention des risques pour l'environnement, mais qui soit appliqué à la fois à leurs filiales et également à leurs sous-traitants. Donc ça vise les entreprises qui sont des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, sachant que les sous-traitants peuvent être dans tous les pays du monde. Alors c'est évidemment, là on voit bien hein, l'idée extrêmement vertueuse qui sous-tend cette loi, mais en même temps ça pose de grandes questions parce que la responsabilité de ces sociétés est extrêmement lourde et ça pose des questions en termes juridiques tout simplement, hein, d'autonomie des personnes morales, donc c'est un réel problème juridique aussi. Hein. Néanmoins, de plus en plus, on attend des sociétés un devoir de vigilance raisonnable qui s'applique à l'environnement. Et je prendrai l'exemple des Pays-Bas, mais pour une toute autre affaire, l'affaire Shell, les Pays-Bas ont condamné en 2013 Shell, donc la compagnie pétrolière, pour avoir déversé par négligence, hein, à cause de défauts de maintenance, pour avoir déversé du pétrole dans les sols. Voilà encore un exemple. Et puis troisième point, le financement vert. Alors là aussi, c'est assez neuf. On peut développer une approche de précaution à travers le financement vert. Donc, c'est-à-dire un fléchage du financement sur les entreprises vertes. Donc, on pense évidemment aux subventions publiques et aux conditions fiscales avantageuses, mais attention évidemment, parce que là, il y a toutes les réglementations européennes sur les aides d'État auxquelles il faut faire attention. Mais ce dont on parle aujourd'hui beaucoup, ce sont des émissions d'obligations vertes. Donc des obligations qui sont destinées à la transition énergétique, qui sont destinées à des projets verts, à des projets à impact positif sur le climat. Ce sont les green bonds dont on parle beaucoup, puisque la France, on a appris ça en 2019, est le premier émetteur de green bonds au monde, avec 15 milliards de dollars d'obligations vertes. Sachant évidemment que la finance verte, certes, se développe de façon prodigieuse, probablement d'ailleurs va continuer de se développer, mais repose sur la certification et repose aussi sur le reporting de l'impact environnemental. C'est-à-dire qu'il faut quand même contrôler ces entreprises, est-ce qu'elles sont véritablement vertes dans leur action. Alors pour conclure, je dirais que depuis quelques décennies, je crois vraiment que l'approche de précaution s'est diversifiée et s'est intégrée de façon très diversifiée, très multiple, le développement durable au sein de l'entreprise, c'est-à-dire en fait au sein de l'activité économique. Mais cela suppose des incitations réglementaires, cela suppose très certainement, si on veut continuer dans ce sens, c'est-à-dire dans un sens assez vertueux, ça suppose un soutien de l'État et un soutien de l'Union européenne. Et je suis très très heureuse de parler donc à côté de madame la députée qui très certainement entendra mon message. Je vous remercie.